Attention, c'est... Il y en a marre de l'évasion fiscale, rendez l'argent. Voilà, alors on est ici. Et donc là, comme vous pouvez constater, on a un pauvre hier. Pourquoi? Parce que c'est un café défiscalisé. Parce que Starbucks voit fiscal non récupéré par la politique fiscale en France. Et on a, je vous ai dit, prendre pourquoi on est là, pourquoi on en a marre et pourquoi on demande. Comme vous pouvez le voir, la scène se met en place, c'est merveilleux. Regardez, on a. Attention, hop, chiffre d'affaires de 95 millions d'euros. 0 euros d'un. Plein de billets, plein de milliards. Écrit café défiscalisé. Ah bah moi les amis, je suis... Mais là, c'est de la bonne matière, hein. Avec ça on fait de la belle évasion fiscale, comme on veut, des beaux profits, puis après on les distribue comme ça aux actionnaires, voilà. Et ils sont tous contents. Ah, il y avait un énorme dérapage. Il y avait un dérapage de 8 milliards d'euros et qui va. Voilà, donc maintenant on va... On a quand même... On a un gouvernement français aujourd'hui qui ne prend pas... Avez compris, en fait, Starbucks utilise tout un mécanisme. Je l'explique un tout petit peu, hein, ce que fait Starbucks. N'oubliez un truc, le Premier ministre, c'est que le déficit public aujourd'hui, il est à peu près de 70 milliards d'euros. Et l'évasion fiscale, à combien elle est estimée? À 70 milliards d'euros par an. Donc, en somme, si on faisait une lutte réelle, nette et claire contre l'évasion fiscale, on pourrait récupérer jusqu'à 70 milliards d'euros par an, c'est-à-dire on pourrait avoir un déficit public égal à zéro. Que le gouvernement mette réellement en œuvre les moyens au niveau de l'administration, de la police fiscale et des juges et du tribunal financier pour avoir une réelle lutte et de réelles sanctions contre ces multinationales et contre ces riches qui nous volent l'argent aujourd'hui. Parce que c'est bien ça, c'est qu'on nous vole des milliards et des milliards d'euros chaque année via l'évasion fiscale, c'est inadmissible. Et la transition écologique et sociale, eh bien, c'est incompatible avec un tel capitalisme financier. Par ce système de redevances, 700 000 euros de... Alors qu'est-ce qui se passe? On fait une action de désobéissance civique pour dénoncer l'évasion fiscale pratiquée allègrement par cette multinationale, Starbucks, qui en fait fait énormément de bénéfices sur le territoire français mais ne paye aucun impôt, comme c'est le cas en 2015. Zéro impôt versé à l'État français grâce à un mécanisme d'optimisation fiscale très agressive, un système qui passe par le Pays-Bas. En somme, Starbucks arrive à dégonfler totalement ses bénéfices en faisant payer des redevances à ses franchises, au niveau d'une filiale néerlandaise, Pays-Bas, qui eux-mêmes font payer à Starbucks des impôts absolument ridicules. D'ailleurs, la Starbucks est aujourd'hui poursuivie par la Commission européenne pour avoir abusivement reçu des aides d'État déloyales via les Pays-Bas. Donc on dénonce cette situation et on demande au gouvernement français d'être drastique face à ces multinationales, de ne pas accepter cet argent qu'on nous vole, parce qu'on nous vole chaque année à peu près 70 milliards d'euros par an via l'évasion fiscale en France. C'est à peu près la hauteur du déficit public français. Donc quand on nous annonce des baisses drastiques de dépenses, des coupures dans les services publics, des coupures de dépenses également et des suppressions de postes dans la fonction publique et dans des services publics essentiels, eh bien il faut savoir que ces dépenses publiques, on pourrait ne pas les couper si on avait réellement une lutte contre cette évasion fiscale et si on s'attaquait réellement aux multinationales. On vient de déverser 1000 litres de marc de café devant Starbucks pour dénoncer cette situation. On bloque donc l'agence de Starbucks. Et par ailleurs, donc avec le slogan « On en a marre, Marc, de l'évasion fiscale », un petit jeu de mots. Et on a aussi personnalisé, vous voyez, c'est le patron de Starbucks. Qui vient de nous expliquer en fait tout son système d'évasion fiscale et nous sommes là militants pour lui dire que nous n'acceptons pas cette situation et comme le gouvernement aujourd'hui ne prend toujours pas ses responsabilités face à l'évasion fiscale, eh bien nous on est passé à la désobéissance civique et c'est le seul moyen qu'on ait aujourd'hui, ou un des seuls moyens en tout cas pour se faire entendre réellement des pouvoirs publics et dénoncer cette situation et aussi que les citoyens puissent l'entendre, c'est le seul moyen qu'on ait pour faire avancer la situation puisque le gouvernement pour l'instant, on n'a toujours pas réellement mis en œuvre les moyens qu'il faut. T'es pris la main dans le sac, comme Jérôme Cahuzac. T'es pris la main dans le sac, comme Jérôme Cahuzac. T'es pris la main dans le sac. Eh oh, Starbucks, what the...